Bonjour, nous allons voir la barre des tâches Windows 10. La barre des tâches, c'est cette barre qui se trouve en bas où vous avez vos icônes, démarrer et côté droit, l'horloge, le son, le réseau, etc. C'est une barre des tâches que vous pouvez déplacer comme vous voulez, c'est-à-dire en cliquant gauche dessus et en restant appuyé, vous pouvez la glisser à gauche, en haut, à droite, ou en bas. Je clique à gauche, je lâche mon clic, elle se retrouve à gauche. Vous ferez pareil pour le haut, la droite ou le bas. Nous avons des propriétés. En faisant un clic droit, nous pouvons activer la fonction rechercher, c'est-à-dire si vous affichez l'icône de recherche, il va s'afficher ici en bas à gauche à côté du bouton démarrer, ce qui vous permettra de faire une recherche soit sur Internet, soit dans vos dossiers. Toujours par un clic droit, nous avons affiché le bouton Application active, ce qui va nous permettre d'avoir ce bouton ici, Affichage des tâches. Ce petit bouton va vous servir, par exemple, à créer plusieurs bureaux. C'est-à-dire le bureau, c'est bien ce que vous avez devant vous, c'est votre écran, et vous pouvez en faire plusieurs. De la manière suivante, vous cliquez dessus, et ici, vous voyez, j'ai plusieurs bureaux. Je peux les supprimer, à loisir, ou je peux en créer. Ici, j'ai mon bureau principal avec une fenêtre, je peux créer un nouveau bureau en cliquant sur « Nouveau bureau » à droite. J'ai donc deux bureaux, le numéro 1 et le numéro 2. Maintenant, imaginons, j'ai cette fenêtre, je travaille sur le bureau numéro 1, mais je veux ouvrir d'autres fenêtres et faire en sorte que celle-ci ne me dérange pas. Je clique donc sur l'icône « Affichage des tâches » et là j'obtiens le bureau 1, le bureau 2. On voit bien la fenêtre qui s'affiche dans le bureau 1, mais pas dans le bureau 2. Je prends, en faisant un clic gauche sur la fenêtre au milieu de l'écran, en restant appuyé, je la glisse vers le bureau numéro 2. Je lâche mon clic et elle se retrouve sur le bureau numéro 2, sachant que le bureau numéro 1 est mon bureau principal et mon écran principal. Donc, si je choisis l'écran numéro 1, je n'ai pas ma fenêtre, ce qui me permet, par exemple, d'ouvrir une autre fenêtre, ou bien, voilà, j'ai une autre fenêtre, et lorsqu'on regarde, j'ai bien deux fenêtres. Je peux, par exemple, sur ma première fenêtre, me promener dans mes dossiers, sans pour autant aller me promener dans les dossiers de la deuxième. Donc, ça, c'est afficher le bouton « Application active ». Afficher le bouton « Espace de travail » de Windows Inc. Alors, cette icône va se trouver juste à côté de l'horloge, ici. Je vous montre. Ça vous montre ce que vous avez fait dernièrement, vos logiciels récemment utilisés, des suggestions de Microsoft. Ça ne sert pas à grand chose, mais bon. Donc je décide de ne pas l'afficher. Nous avons bouton afficher clavier tactile. Donc ça, bien entendu, c'est pour ceux qui auraient un écran tactile, ce qui leur permettrait d'avoir le clavier sur l'écran tactile. Ici, vous avez affiché le bureau. Bien entendu, si vous cliquez dessus, ça va afficher le bureau. Comme ceci. Maintenant, si j'ouvre une fenêtre comme ceci, si je fais un clic droit et je mets afficher le bureau, j'ai mon bureau sans la fenêtre. Elle a disparu, elle est revenue ici en bas à gauche. Je reclique et je la fais réapparaître. Le gestionnaire des tâches. Nous expliquerons dans un prochain tuto à quoi cela sert. Verrouiller la barre des tâches et nous avons les paramètres de cette barre des tâches Windows.
Donc, dans cette barre d'étage, nous avons les options. Verrouiller la barre d'étage que nous avons déjà par un clic droit. Masquer automatiquement la barre d'étage en mode bureau. Si vous activez, la barre d'étage disparaît. Pour la faire réapparaître, vous glissez votre pointeur de souris vers le bas et elle réapparaît. Nous avons masqué automatiquement la barre des tâches en mode tablette. Donc je ne peux pas vous montrer puisque je n'ai pas de tablette, mais le résultat est le même qu'auparavant. Utilisez des petits boutons dans la barre des tâches. Si je désactive, je vais obtenir des gros boutons dans la barre des tâches. Comme ceci. Pour les personnes qui auraient des problèmes de vue, ça peut être pratique. Vous avez utilisé AeroPic pour afficher un aperçu du bureau lorsque vous placez le pointeur de la souris sur le bouton afficher le bureau à l'extrémité de la barre des tâches. Si je l'active, une fenêtre ouverte par exemple sur votre bureau, si vous mettez votre pointeur en bas à droite, juste après l'horloge, comme ceci, la fenêtre disparaît, on la voit très légèrement en transparence, mais elle disparaît et ça vous permet de voir votre bureau. Si vous revenez, la fenêtre réapparaît automatiquement. Remplacer la vitre de commande par Windows PowerShell. Donc, la vitre de commande, c'est ceci. Un clic droit sur le bouton démarrer, vous avez toutes les options et vous avez un vide de commande ou un vide de commande admin. Si je clique dessus, je vais obtenir cette fenêtre. Nous expliquerons dans un prochain tuto à quoi cela peut servir. Si j'active PowerShell, je vais obtenir non plus un vide de commande, mais Windows PowerShell. Et si je clique dessus, je vais obtenir quasiment la même chose, hormis des couleurs. Pour les badges, je ne peux pas vous le montrer, c'est désactivé par défaut. Et c'est grisé. Ici, nous avons position de la barre d'étage, donc c'est ce que je vous expliquais dès le début. Mettre votre barre des tâches à gauche, en haut, à droite ou en bas. Vous pouvez le faire soit par ici dans les paramètres, soit comme je vous ai expliqué, par un clic gauche et on déplace. Toujours masquer les étiquettes. Ici, ça sert à... si je vous mets jamais, vous allez voir, ici tout va s'afficher. C'est-à-dire, j'ai des fenêtres qui sont ouvertes sur les bureaux, 1, 2... Et je sais que j'ai cette fenêtre, ce PC ouvert et les paramètres ouverts. Ça me met et l'icône et le nom de la fenêtre ouverte. Si je mets lorsque la barre des tâches est pleine, on aura toujours l'icône et le nom de la fenêtre ouverte, sauf si vous avez une dizaine de fenêtres ouvertes. À ce moment-là, Windows ne pourra plus vous montrer le nom de la fenêtre et passera en icône. Et si vous voulez, comme moi, toujours masquer les étiquettes, c'est-à-dire toujours masquer le nom, avoir uniquement l'icône. Zone de notification. Ici, sélectionnez les icônes à afficher dans la barre des tâches. Ça concerne toutes les fenêtres que vous avez ouvertes. Pour les logiciels présents sur votre PC. Donc, vous l'activez ou pas, de façon à ce qu'ils apparaissent en bas. Activer ou désactiver les icônes système. Cette fenêtre concerne les icônes système, c'est-à-dire ceux qui se trouvent en bas à droite. L'horloge, le volume, le réseau, l'alimentation, l'indicateur d'entrée, etc., etc. Si on désactive l'horloge, elle disparaît en bas à droite. Si on l'active, elle réapparaît en bas à droite. C'est vous qui choisissez les icônes que vous souhaitez. Ici, nous avons plusieurs affichages. Afficher la barre des tâches sur tous les écrans. Ceci concerne uniquement dans le cas où vous auriez plusieurs écrans. Si vous avez deux écrans, par exemple, vous pouvez décider d'afficher la barre des tâches sur le premier écran, mais pas sur le deuxième. Excusez-moi. Et en activant, après,
vous pouvez décider d'afficher les icônes, les boutons, etc. sur la deuxième barre des tâches, comme vous le souhaitez. Et pour finir, si vous cliquez sur « Comment personnaliser la barre des tâches », cela vous redirige vers Microsoft, le site Microsoft, de façon à avoir quelques explications sur cette barre des tâches. J'espère avoir été assez complet. Si vous avez des questions, passez par le forum.